L'écologie n'est pas un modèle amiche, archaïque et austère. Elle porte le futur. En finir avec les pollutions causées par l'activité humaine est urgent. Il est urgent d'organiser et de planifier pour trouver les meilleures solutions en matière énergétique, industrielle et sanitaire. Il y a urgence écologique. Dès 2022, nous proposons d'entrer dans une nouvelle ère, celle du progrès écologique. L'économie de notre pays est l'une des plus puissantes au monde. Engager la bifurcation écologique en France impactera le reste du monde. Voilà pourquoi nous voulons un plan élaboré avec les citoyens, les associations, les syndicats, les entreprises, ainsi que les chercheurs et les universitaires. Tous seront acteurs de la bifurcation écologique de l'économie. Il faudra former des centaines de milliers de personnes, accompagner des reconversions professionnelles pour occuper les emplois du futur. Nous en créerons 1 500 000 supplémentaires, grâce aux 100% énergies renouvelables, à l'agriculture biologique et dans les transports. Nous créerons un pôle public bancaire pour soutenir les petites et moyennes entreprises dans leurs projets écologiques. Pour permettre ce formidable élan, nous devons récupérer l'argent public capté par quelques-uns. Il faudra supprimer les niches fiscales antisociales et anti-écologiques. Les déceptions et les tromperies, les opportunistes et pessimistes doivent partir en même temps qu'Emmanuel Macron, trop de temps perdu. L'écologie du futur doit commencer en 2022.